Salut tout le monde, troisième et cette fois-ci dernière partie de cette série sur le comportement humain face à ses erreurs. Vous connaissez la chanson, si vous n'avez pas vu les deux autres, il ne tient qu'à vous de remédier à cela. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'en prenant en exemple le nucléaire pour illustrer ma deuxième partie, je déchaînerais autant les passions dans les commentaires. Au moins, certains m'ont permis de changer d'avis sur 2-3 aspects. Mais bon, c'était loin d'être le seul exemple et au final, ça a fait que peu de gens ont parlé de l'escalade d'engagement en tant que telle, ce qui était quand même le sujet principal de la vidéo. C'était une erreur de parler de ça. Belle démonstration du sujet. Oui, j'ai sûrement fait une erreur, mais pas une faute. Le mot « erreur » vient du verbe latin « error » proche du mot « erré » qui renvoie à l'incertitude et l'ignorance. Kant disait d'ailleurs que l'erreur est l'absence de la connaissance. La faute, quant à elle, du latin « falsus », d'où provient le mot « faux », est un manquement à une règle, une norme, une loi, un principe ou un devoir en connaissance de cause. On y retrouve souvent un aspect moral. L'erreur devient donc une faute lorsqu'un footballeur commet par exemple un geste interdit par les règles de son sport qu'il est censé connaître. Ainsi, contrairement aux erreurs faites de manière inconsciente ou involontaire, du fait de la maladresse ou de l'ignorance, les fautes impliquent davantage notre responsabilité car nous sommes censés avoir toutes les cartes en main pour les éviter. Il serait donc plus convenable de parler d'erreur d'orthographe que de faute d'orthographe lorsqu'un écolier en fait par manque de connaissances ou par étourderie. Ce dernier se sentira ainsi moins culpabilisé et pourra potentiellement en tirer davantage de leçons. Après tout, en mathématiques, on parle bien d'erreur de calcul et non de faute. Pourquoi en serait-il autrement en français ? Il est ainsi plus convenable de réprimander quelqu'un suite à une faute commise qu'à une erreur de sa part. Mais la subjectivité y joue beaucoup, car certaines personnes bien sensibilisées à des règles ont tendance à qualifier de faute les erreurs de certains n'en ayant pas connaissance. Il faut donc faire attention à ne pas confondre l'erreur innocente et la faute consciente, et cette distinction est particulièrement importante en droit. D'après vous, un chirurgien qui tue accidentellement un patient par maladresse, commet-il une erreur médicale ou une faute professionnelle? La sentence ne sera pas du tout la même suivant votre choix. Je vous laisse y répondre en commentaire. Tout est affaire de circonstances. Du coup, le réchauffement climatique est causé par un mélange d'erreurs et de fautes humaines, si j'ai bien compris les définitions. On avait dit plus de sujets polémiques. Et est-ce que c'est une faute de masquer son erreur? John Kennedy disait « Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger ». On l'a vu et revu dans les deux précédentes parties, l'erreur est humaine, et utilisée à bon escient, elle permet d'en tirer des leçons et d'avancer. Elle fait partie intégrante de l'apprentissage en incitant la remise en question. Tout ce que nous pensons être des erreurs ne sont que des expériences. Même les plus grands esprits se sont trompés maintes et maintes fois, mais ce qu'on retient d'eux au bout du compte sont leurs réussites. C'est en faisant des erreurs et en apprenant d'elles qu'ils ont pu atteindre leurs objectifs et leur renommée. Certains ont d'ailleurs fait leurs découvertes sur des erreurs, comme Christophe Colomb découvrant les Bahamas en cherchant la route des Indes pour rejoindre l'Asie. Nous-mêmes n'existons que grâce à une succession d'erreurs dans la nature, entre gros guillemets, que la théorie de l'évolution explique assez bien, en nous montrant que sans elle, nous serions encore des algues au fond de l'océan. L'erreur d'avoir des rapports non protégés contribue au même résultat. Ça t'aurait pu éviter. Einstein disait d'ailleurs que celui qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais rien essayé de nouveau, et il était loin d'être le seul à avoir cette réflexion, en témoignent ses autres citations. Je rajouterai qu'il n'y a aucun mérite à réussir sans avoir échoué par le passé. Le succès est un mauvais professeur, a dit Bill Gates, il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Allez, je m'autorise même à citer Lay de la chaîne Science for All. À dire vrai sans raison, on triomphe sans gloire, et à dire faux avec raison, on s'incline avec une gloire triomphante. Pour autant, malgré son caractère inévitable, l'erreur reste encore aujourd'hui dans la tête de bon nombre une marque de faiblesse que certains s'évertuent à cacher, quitte à s'obstiner dans celle-ci ou à s'auto-persuader de son bien fondé. C'est ce qu'on a vu respectivement dans la deuxième et la première partie. Autant d'efforts pour cacher quelque chose que tout le monde fait. Les humains sont étonnants. Au final, avoir honte de ses erreurs, c'est avoir honte de sa propre nature. On entend souvent qu'il suffit de faire preuve d'humilité, mais ce n'est pas si facile dans un monde où chacun cache ses erreurs et a donc tendance à critiquer celles des autres. D'autant que nous vivons dans une société fixée sur la productivité qui encourage l'efficacité et laisse donc peu de place à l'erreur, ce qui peut ironiquement freiner certains à se lancer dans des innovations qui permettraient d'être plus productifs. C'est un cercle vicieux, moins on accepte nos erreurs, moins on accepte celles des autres, ces derniers font alors de même, et on en arrive à une société où chacun s'en cache de peur d'être décrédibilisé aux yeux de ceux qui pensent de cette manière. J'encourage ainsi chacun à partager ses erreurs pour casser ce cercle vicieux et qu'elles puissent potentiellement servir à d'autres par la même occasion. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'extrême inverse jusqu'à vous définir par vos erreurs, car en faisant cela, vous vous sentirez vous-même comme une erreur.
Cette trilogie de vidéos centrée sur nos comportements conscients et inconscients face à nos erreurs nous a permis de voir que certaines de nos réactions étaient parfois elles-mêmes d'autres erreurs, la plupart étant dues à des mécanismes de défense psychologique. J'aimerais ainsi terminer cette série sur un mécanisme en particulier qui reste plus ou moins lié à ce thème, la réactance. Une théorie qui a été mise en évidence en 1966 par les psychologues Jack Brahm et Sharon Brahm. Je dis plus ou moins lié car celle-ci désigne notre réaction lorsqu'on a le sentiment que notre liberté d'action est menacé ou ôté. Or, ce sentiment peut parfois être une erreur de jugement du fait d'une manipulation ou d'une mauvaise compréhension, et la réaction qui en découle devient alors par la même occasion le fruit d'une erreur. Je ne vous apprends rien, les humains détestent qu'on les force à faire quelque chose, alors qu'ils auraient très bien pu aimer ce quelque chose s'ils l'avaient eux-mêmes choisi. C'est entre autres pour cette raison que le management participatif a été inventé. Il suffit de comparer la vision qu'ont certains jeunes de la vulgarisation sur YouTube par rapport à leurs études. Les deux ont pourtant pas mal de similitudes, mais l'une pâtit de son caractère obligatoire qui la rend tout de suite moins attrayante et plus désagréable aux yeux de certains. De la même manière, il suffit de censurer ou d'interdire quelque chose à une personne pour que celle-ci soit d'autant plus tentée de s'intéresser à cette chose, en témoigne l'effet Streisand. Que ce soit Wikileaks, Dieudonné ou dernièrement Copie Comique, la censure ou les menaces de censure dont ils ont été victimes leur ont ironiquement permis d'attirer l'attention et d'avoir une plus grande visibilité. Dans le même genre, vous n'arriverez jamais à forcer quelqu'un à croire en quelque chose si vous n'arrivez pas à le convaincre, et cela peut même mener à l'effet inverse de celui espéré. La personne peut en effet se braquer et croire d'autant plus en ses convictions, jusqu'à parfois agir pour celle-ci, chose qu'elle n'aurait pas faite en temps normal. La réactance participe ainsi à sa manière à la montée des extrémistes, quelle que soit leur idéologie. Chaque extrême galvanise l'extrême opposé de par ses paroles ou ses actes, qui peuvent également être le fruit d'une réactance, ce qui conduit à un cercle vicieux et des extrêmes de plus en plus extrêmes. Sauf erreur de ma part, l'année dernière, le YouTube francophone nous a permis d'avoir un bel exemple de réactance. Le 1er juillet 2018, le YouTuber Link The Sun sort, en collaboration avec JMDo, un point culture sur le véganisme pour tenter de convaincre les gens d'adhérer à ce mode de vie. Mais cette vidéo, comprenant un faux débat entre un vegan et un non-vegan sans grande répartie, génère alors des réactions épidermiques de toutes parts, des spectateurs notamment, mais aussi des YouTubers qui n'hésitent pas à exprimer leur désaccord en vidéo. Des dizaines et des dizaines de vidéos s'opposant à celles de Link The Sun apparaissent alors pendant tout le mois de juillet. La plupart proviennent de petites chaînes dont les vidéos dépassent rarement les 20 000 vues, mais sous l'effet du bad buzz, certaines acquièrent rapidement des centaines de milliers de vues et se retrouvent même dans l'onglet des tendances YouTube. Fait encore plus surprenant, de nouvelles chaînes YouTube se réclamant anti-vegan émergent dans la foulée, spécialisant leurs vidéos dans une lutte contre le véganisme. Le bad buzz permet à ces chaînes créées spécialement pour répondre à Link The Sun et JMDo d'obtenir des dizaines de milliers d'abonnés dès leur première vidéo. C'est par exemple le cas de la chaîne Pas Vegan, rassemblant actuellement 86 000 abonnés, qui continue depuis cette affaire à poster des vidéos contre le véganisme, qui marchent toutes bien en termes de vues, bien mieux si l'on peut dire que les vidéos de chaînes pro-vegan. Toute cette histoire a notamment mené à des échanges assez incisifs par vidéo interposée entre plusieurs youtubeurs et JM, conduisant finalement ce dernier à se retirer de cette joute verbale qui prenait beaucoup trop d'ampleur à son goût, estimant, je cite, qu'on le tournait en ridicule et qu'on lui prêtait des propos qui n'étaient pas les siens en sortant des extraits de leur contexte. Attends, je rêve ou il reproche aux autres ce qu'il t'a exactement fait 3 ans auparavant quand il a participé à la vague des vidéos critiques de vegan sur toi? On est bien d'accord qu'il a fait une vidéo où il te tournait en ridicule avec plein d'effets de montage en sortant des extraits de leur contexte. Il voit ce que ça fait maintenant de se prendre des dizaines de vidéos sur sa tronche. C'est sûr que c'est tout de suite moins drôle quand c'est dirigé contre soi. Mais quand on y participe, ça permet de faire la vidéo la plus vue de sa chaîne. Évidemment, la vidéo de Link The Sun a sûrement dû faire devenir certaines personnes végétariennes ou véganes, des dizaines, peut-être des centaines, des milliers, qui sait. Et je sais que dans la tête des militants véganes, c'est tout ce qui compte, le reste n'étant que des dommages collatéraux. C'est à chacun de peser le pour et le contre et d'estimer si cette vidéo a servi ou desservi la cause qu'elle défendait, et si ces vidéos réponses étaient justifiées ou non. Décidément, à chaque fois qu'un Alexis fait une vidéo sur la cause animale, ça tourne mal. N'empêche que c'est assez ironique qu'une vidéo pro-vegan fasse naître des chaînes anti-vegan en leur donnant au passage des centaines de milliers de vues. Cette ironie est justement la raison pour laquelle cette histoire est, je pense, une parfaite illustration de ce que peut être la réaction. Si on met de côté ceux qui n'ont tout simplement pas aimé le contenu de la vidéo de Link The Sun, il est à parier que certains l'ont vécu comme une menace pour leur liberté de manger de la viande et que d'autres n'ont pas aimé qu'on leur dicte quoi penser ou qu'on les culpabilise. Je tiens à préciser que je n'ai aucune animosité envers Link The Sun et que j'aime d'ailleurs beaucoup ce qu'il fait, mais sa vidéo sur le véganisme était pour moi un cas d'étude assez intéressant pour ce sujet. Au fait, t'avais pas dit que c'était une erreur de prendre en exemple des sujets trop polémiques, car je pense que le véganisme est un sujet aussi tendu que le nucléaire pour le coup.
Oui, mais on peut toujours en débattre calmement si chacun se prête au jeu. En témoigne cette interview en 12 questions avec un youtubeur vegan antispéciste bien connu du milieu. Un échange qui semble avoir plu aux spectateurs, pourtant composé en grande partie de personnes non véganes. Les messages et les dialogues passent mieux quand on ne brusque pas les gens en les faisant culpabiliser ou en les prenant de haut. Il en va de même sur les réseaux sociaux, à bon entendeur. Comme dit Acer Mendax via une vidéo de Magic Jack, la vérité d'une idée ne se reconnaît pas à la force de conviction de qui la défend. Cette réflexion vaut pour toute idéologie. Bref, le monde étant ce qu'il est, certains ne se sont pas privés d'exploiter la réactance à leur profit en l'instrumentalisant pour influencer et manipuler de potentiels clients ou toute une population. Il suffit par exemple qu'une marque mente en disant que ses produits seront bientôt enlevés des grandes surfaces ou moins approvisionnées pour que tout le monde se jette dessus alors que la plupart s'en contrefichaient avant, sachant que les produits similaires d'autres marques sont toujours disponibles. Retirer sans raison un jouet devant un enfant qui n'y prêtait pas attention et il deviendra subitement passionné par ce jouet qu'il voudra à tout prix récupérer. Nous sommes en fait de grands enfants. D'ailleurs, mon chien a exactement la même réaction, comme quoi ce n'est pas spécifique qu'aux humains. Ou alors il pense tout simplement que tu veux jouer avec lui avec ce jouet. Dans le même style de manipulation, certains exploitent les faits stressants à leur profit, en criant à tort à la censure de leur discours ou en faisant tout pour être censurés, pour gagner en popularité et attirer ainsi l'attention sur leur discours ou produit. A l'extrême inverse, mais de la même manière, certains font semblant de menacer de censurer des discours ou des produits qui leur sont en fait profitables, pour leur donner plus de visibilité grâce à la réactance. Un bad buzz reste un buzz, comme on dit, et ça, les marques, les politiques, les magazines, la télévision et les influenceurs l'ont bien compris. On est en plein dans la fameuse psychologie inversée que les parents utilisent parfois sur leurs enfants, en leur interdisant de faire ce qu'ils souhaitent en fait qu'ils fassent. Attention toutefois à ne pas non plus devenir paranoïaque. Certaines personnes de bonne foi se font vraiment censurer sans bénéficier pour autant de l'effet Streisand. Évidemment, la réactance est d'autant plus forte si ce que vous percevez comme une menace est dirigé contre quelque chose à laquelle vous tenez. Beaucoup tiennent par exemple énormément à leur sécurité et leur liberté, et boivent alors aveuglément les paroles des politiques leur disant qu'ils protégeront leur liberté en faisant plus de contrôle et en leur retirant certains droits. Cherchez l'erreur, ou plutôt la faute. La fameuse soumission librement consentie. C'est pour cette raison, et ce sera ma conclusion, qu'il faut faire attention à ne pas laisser nos émotions prendre le dessus sur notre raison, en témoignent tous les biais cognitifs qu'on a pu voir dans ces trilogies. Les émotions sont à écouter avec raisonnement, mais elles ne doivent pas nous guider sans raison, car c'est par les émotions qu'on se fait manipuler par ceux qui les instrumentalisent à leur fin. Avant d'agir ou de se prononcer, il faut s'habituer à prendre un certain recul sur tout ce qu'on peut entendre, voir et ressentir, quitte à prendre un ton que certains jugeront peut-être comme de la lenteur. C'est là, je pense, la clé pour éviter de tomber dans des comportements irrationnels souvent dommageables pour nous et notre entourage. Allez, finissons cette vidéo sur mes habituelles recommandations de lecture. Au menu du jour, nous avons Psychologie sociale expérimentale de Willem Doise, Jean-Claude Deschamps et Gabriel Muni, qui traite notamment de la réactance. Dynamique de l'erreur de Christiane Chauviret, Albert Ogienne et Louis Quéré, qui explique comment les différents corps de métier utilisent l'erreur. Et pour finir, les trois fameux livres Les décisions absurdes de Christian Morel, qui reprennent de manière plus approfondie tout ce qu'on a pu voir dans cette trilogie. Pour ceux qui ne seraient pas très portés sur les livres, je vous conseille l'excellente vidéo d'Horizon Gull sur l'effet stressant et la réactance, intitulée « Les chemins de la censure », qui explique bien mieux que moi ce mécanisme psychologique. Je vous ai mis le lien dans la description. Bof, moi je le trouve assez naze, Gull. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de la liker et la partager rapidement, car apparemment YouTube va bientôt enlever ses possibilités. En plus, mes pages Tipeee et Utip se sont fait censurer, mais peut-être que si beaucoup de personnes cliquent sur leur lien dans la description, ça obligera ces sites à les réafficher. Ah ouais, donc le mec manipule ouvertement ses abonnés par la réactance. J'espère que vous avez apprécié cette petite série psychologique et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur des sujets complètement différents. Salut tout le monde!